de suivre cette édition du journal. L'ancien président du Tchad et président fondateur du RDP, Lord Mahamat Choua, est décédé hier 15 septembre 2019. Un dernier et digne hommage lui a été rendu ce matin à la place de la nation. C'était en présence du chef de l'État Idriss Déby Itno. Adef Amat Ben Rama. La nation rend ses hommages à l'un de ses dignes et valeureux fils qu'il a servi avec loyauté, Lord Mahamat Choua, ancien président de la République et président fondateur du RDP. À la place de la nation, la mobilisation à ses obsèques dénote de la reconnaissance de tous les Tchadiens sans exception à ce grand homme qui a marqué l'histoire du microcosme politique du Tchad. Reconnaissant les valeurs de cet émérite fils du Tchad, l'homme qui l'a précédé à la tête de l'État, le président de la République Idriss Déby Itno, visiblement attristé, est en première ligne pour rendre un hommage dû au rang de l'illustre disparu, Lord Mahamat Choua. Tout commence par l'arrivée de la dépouille mortelle, un instant empreint d'affliction et de méditation. S'en est suivi le dépôt des gerbes de fleurs par le chef de l'État, Idriss Déby Itno. Fini cette phase, le président de la République décore feu Lord Mahamat Choua à titre posthume. À titre posthume pour le service rendu à la nation tchadienne. Suivant ce programme de funérailles, l'office du regretté a présenté le mot de remerciement de la famille. Nous portons le deuil, mais ce deuil n'est pas le nôtre. Il est aussi le vôtre. Ce deuil est national. En témoignage, d'ailleurs, votre présence massive, laquelle peut s'expliquer par la fonction suprême que le décédé avait occupée. Au nom de mes frères et au nom de toute la famille, remercions Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour avoir honoré notre papa en organisant cette grandiose cérémonie funèbre, pour son soutien constant, multiforme, qu'il n'a cessé d'apporter à notre feu père depuis sa maladie jusqu'à la date de son décès, et ceci depuis toujours. Le président du RDP a pour sa part donné des témoignages tout en exprimant sa gratitude au chef de l'État et à tous pour l'appui multiforme. C'est avec une très grande émotion et une profonde tristesse que je prends ce jour la parole au nom du RDP pour rendre un vibrant hommage posthume à une grande figure de l'histoire politique de notre pays et qui fut aussi notre père fondateur du parti RDP. Avec le président Lord Mahamat Choua, qui vient de s'éteindre après une longue maladie, c'est un baobab qui vient de s'écrouler. Nous pouvons, nous, ses compagnons de lutte, témoigner que le fondateur du RDP était mu par de nobles idéaux de paix, d'unité et de justice. C'était un homme de courage politique,
un homme de dialogue et de consensus, attaché profondément à la démocratie et à la diversité tchadienne. Au nom de la représentation nationale, le président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadi, a présenté les oraisons funèbres. Feu le député Lol Mamad Choua a toujours été un homme qui a su mettre l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de ses propres intérêts. Dans ses actes comme dans ses paroles, il a toujours prôné la réconciliation et le consensus pour faire prévaloir l'intérêt général. À l'Assemblée nationale, lorsque les débats s'enlisaient autour des questions épineuses, la plénière avait toujours recours à ses sages conseils et il avait toujours des mots et des idées qui unissaient les différents intervenants. Je tiens à présenter toutes mes condoléances à Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, pour la perte de ce grand homme d'État qui a profondément contribué par ses actions au développement de notre pays. Je voudrais également, au nom de tous les députés, du personnel parlementaire et à mon nom propre, présenter mes condoléances à sa famille politique, à sa famille biologique, aux amis et connaissances, à son épouse, à ses enfants et au peuple tchadien. Toujours à la place de la nation, le président de la République et les autres fidèles sont conviés à une autre étape funéraire. Une prière aux morts a été dite sous la conduite de l'imam de la grande mosquée de N'Djamena, Cheikh Ahmed An-Nour Mahamat Al-Helou. Après cette prière, la dépouille est acheminée au cimetière de la Madi pour inhumation. Ayant pris part aux obsèques, quelques personnalités ont fait quelques témoignages sur l'homme qui était Lol Mahamad Choua. Suivez. J'ai eu la chance et le privilège d'avoir été dans le gouvernement en 1979, qui était présidé par notre cher disparu, le président Lol Mahamad Choua. J'étais secrétaire général adjoint du gouvernement, tout jeune à l'époque, et avec comme secrétaire général titulaire le défunt Aboubacar Zaïd, et j'en profite pour lui rendre hommage aussi. Cette expérience, elle résume le personnage parce que, comme on l'a répété dans l'oraison funèbre, c'était juste après la guerre civile et le Tchad était divisé en groupes politico-militaires qu'on appelait les tendances à l'époque. Et peut-être les jeunes ne le savent pas, mais dans le gouvernement présidé par le dauphin Lol Mahamad Choua, il y avait M. Gokouni Wede qui était ministre de l'Intérieur, M. Hissène Habré qui était ministre de la Défense, le général Diogo qui était vice-président et tant d'autres. C'est pour vous dire la difficulté de l'occasion et c'est pour vous dire l'image et l'opinion que les gens avaient de lui pour penser qu'une telle combinaison, il était le seul à pouvoir la diriger dans un contexte aussi difficile. Et donc, c'est un homme de consensus, un homme de paix. Et je dirais, plus important que tout cela, c'était un grand monsieur. Il a beaucoup fait aussi comme président du Parlement provisoire, le CST. Et dans d'autres fonctions qu'il a occupées, il a œuvré vraiment pour le développement du Tchad, pour la réconciliation nationale, pour le consensus politique. Moi, j'étais le ministre de Lol pendant qu'il était président. J'étais le ministre de l'enseignement supérieur. Et ce que je garde de Lol, c'est l'esprit du consensus. Mais en même temps, l'amour du Tchad, parce que où il y avait 12 tendances, il y a eu la bagarre, il y a eu 12 février, tout ça. Mais il a voulu toujours garder du Tchad l'image d'un Tchad souverain, mais souverain dans son espace de 1,284,000 km². Et quand il parlait du Tchad. Et souvent il dit que quand vous parlez du Tchad, n'oubliez pas que le Tchad, c'est un pays de diversité. Mais également dans cette diversité, c'est un pays de consensus. C'est-à-dire le Tchadien, par nature, il a cette tendance de discuter pour trouver des solutions.
Après la cérémonie officielle des obsèques, la dépouille de l'ex-président du Tchad a été acheminée, puis inhumée au cimetière de la Madji. Le président de la République, Idriss Déby Itno, a assisté à cet enterrement en présence de plusieurs personnalités. Idriss Oumar Idriss. Au cimetière de la Madji, malgré l'étroitesse des passages, les autorités, la famille politique et nucléaire du feu Loul Mama Choua attendent impatiemment le cortège funèbre. Quelques minutes plus tard, arrive le président de la République, Idriss Déby Itno, le membre du gouvernement, pour accompagner l'ex-président du Tchad dans sa dernière demeure. En ligne parallèle, les élèves officiers de la 28e promotion rangent les sabres et transporte la dépouille. Et sous les pas de sonnerie aux morts que se dirige le corps de l'illustre disparu. Ici va se reposer Loul Mama Choua. L'assistance, très navrée, observe silencieusement la scène. Chacun se rappelle du passage du verset coranique qui dit « Chaque âme goûtera la mort ». Le président de la République, Idriss Déby Itno, pelle à la main, verse le premier sable, tous unis, et implore Allah qu'il accorde au défunt sa clémence et l'accepte dans son paradis. La teneur à présent de ces quelques messages de condoléances, ayant appris avec tristesse la mort de Loul Mama Choua, ancien président du Tchad et président fondateur du Rassemblement pour la démocratie et le progrès, l'ambassadeur du Tchad auprès des Émirats arabes unis, M. Zakaria Idriss Déby Itno, au nom de tout le personnel de la représentation diplomatique, adresse ses sincères condoléances au peuple tchadien, au président de la République Idriss Déby Itno, à la famille et aux militants du RDP. La disparition de celui qui a contribué grandement à l'enracinement de la démocratie au Tchad est une énorme perte pour la nation tout entière. Que son âme repose en paix. Ce message est signé de Zakaria Idriss Déby Itno, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad auprès des Émirats Arabes Unis, Sultanat d'Oman et le Royaume de Jordanie. Un autre message de l'ambassadeur du Tchad auprès du Royaume du Maroc. Excellence, Monsieur le Président, ayant appris avec une grande tristesse le décès du feu Loul Mama Choua, l'homme politique et ancien chef de l'État, je me fais le devoir au nom des membres du personnel de l'ambassade du Tchad au Maroc et en mon nom propre de présenter à votre Excellence au peuple tchadien et à la famille du disparu toutes nos condoléances les plus attristées. Puisse le Tout-Puissant accueillir le défunt en son vaste paradis et le combler de sa riche bénédiction, plus haute et déférente considération. L'ambassadeur Mahamat Abderrasoul, ambassadeur du Tchad auprès du Royaume du Maroc. Et le président de la Hama, haute autorité des médias et de l'audiovisuel, au nom de tout le collège, présente également ses condoléances les plus attristées à la famille biologique et politique de l'illustre disparu, ainsi qu'à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. La haute autorité des médias et de l'audiovisuel Hama prie Dieu, le Tout-Puissant, pour le repos de l'âme du regretté, qu'il console également les cœurs des parents et amis affligés. Ce message de condoléances est signé du président de la Hama, Dieudonné Dionabaye. Et toujours en ce qui concerne le décès de l'ancien président Loul Mama Choua, l'ancien président Gokouni Wédé et sa famille présentent leurs condoléances les plus attristées à la famille éplorée de l'illustre disparu, aux parents proches et lointains, aux membres de son parti RDP ainsi qu'à toute la nation tchadienne et particulièrement au président de la République, son Excellence Idriss Déby Itno. Le Tchad vient de perdre l'un de ses illustres fils. Que Dieu le Tout-Puissant accueille son âme au paradis. Ce message est signé de l'ancien président Gokouni Wédé.
Et suite au décès de l'ancien président de la République, Lol Mahamat Choua, l'université Mikoussi informe l'opinion nationale que la cérémonie de remise des parchemins aux lauréats de la 6e promotion, placée sous le haut patronage du ministre de l'Enseignement supérieur, prévue le 17 septembre, est reportée au jeudi 26 septembre 2019. Le lieu et le programme restent inchangés. Parlons à présent de l'administrateur au conseil d'administration du groupe de la Banque mondiale, Jean-Claude Tchatchouang. Il est en mission de consultation au Tchad. Il a mis à profit son séjour pour rencontrer les partenaires au développement et quelques membres du gouvernement. Les questions liées au capital humain et à l'environnement des affaires étaient à l'ordre du jour. Mahamat Souleymane. C'est la toute première prise de contact entre l'administrateur au conseil d'administration du groupe de la Banque mondiale Jean-Claude Tchatchouang, les partenaires au développement et quelques membres du gouvernement. En toile de fond de cette rencontre, des sujets liés au capital humain, à l'environnement des affaires au Tchad et bien d'autres sujets. La question sur la lutte contre la pauvreté n'a pas été perdue de vue au cours de cette rencontre. C'est une visite de consultation avec les autorités parce que dans mon travail, j'ai besoin de prendre vraiment contact avec les entités pour voir qu'est-ce qui se passe sur le terrain, est-ce que comment ils apprécient le travail que la Banque mondiale fait au niveau du pays et aussi quels sont vraiment leurs besoins et leurs orientations pour que on continue à développer la coopération entre le groupe de la Banque mondiale et le Tchad. Nous avons vraiment abordé la centralité du capital humain dans le bien-être des populations et surtout de l'éradication de l'extrême pauvreté au Tchad. Pour le secrétaire d'État à l'économie et à la planification du développement, cette science de travail leur a permis de dessiner l'essor économique du pays. Vous savez que tout découle du développement du capital humain. Le capital humain est considéré comme une richesse qui permettra au pays d'avoir une croissance et sortir de la pauvreté. On a fait le tour de la question. Les différents ministères sectoriels sont présents. Au Tchad, le développement humain est bien pris en compte dans le plan du développement national, dans son axe 4. Et on a essayé de voir avec l'administrateur sur toutes les questions qui vont contribuer à l'amélioration de l'indice de développement humain du Tchad. Et c'était une rencontre très riche. L'administrateur Jean-Claude Tchatchouang représente 23 pays d'Afrique, dont le Tchad. Il mettra en profit son séjour au Tchad pour s'entretenir aussi avec les responsables des différents ministères sectoriels, les leaders de la société civile et les acteurs du secteur privé. En marge de cette mission, l'administrateur Jean-Claude Tchatchouang effectuera une visite du terrain pour échanger aussi avec les bénéficiaires des projets financés par la Banque mondiale. Et puis l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Tchad en Allemagne, Madame Mariam Ali Moussa, a déposé officiellement ce lundi 16 septembre 2019 à Vienne l'instrument d'adhésion et de ratification de l'amendement de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires. L'ambassadeur Madame Mariam Ali Moussa a déposé l'instrument en tant que représentante permanente du Tchad auprès de l'Agence internationale pour l'énergie atomique. Il vous souviendra qu'hier, le ministre de la Défense et de la Sécurité publique, invité du journal télévisé, a particulièrement mis l'accent sur la réforme du corps de la police nationale. Pour Mahamat Abali Salah, un corps de police bien formé et structuré participe à la sécurité et au bien-être de la population. Suivons plutôt le chef du département de la Défense dans un extrait proposé par Doba Robert. Il faut noter que les réformes des institutions de l'État, c'est des recommandations de notre lors du forum, c'est-à-dire qui a fait naître la 4e République. Et il faut aussi noter que nous constatons certainement des manquements au sein de notre police nationale. Donc, c'est tout à fait normal quand vous
d'installer un nouveau responsable à une direction, il faut que vous évoquez les insuffisances constatées dans les services. Et nous avons certainement parlé, et nous avons dit que la police doit être plus proche de la population. Et il faut que la population qui soit heureuse s'il est à côté de la police. C'est-à-dire qu'il faut que la police soit la protection de la population. Nous avons beaucoup insisté et il faut aussi que le vice-versa, la population doit respecter aussi la police. Il faut qu'ils sachent que la police est là pour leur bien. Il faut faire ressortir aussi ces manquements au niveau de la circulation routière. Et c'est pour cette raison que nous avons réformé ce service. Et vous savez que la vie d'une ville, l'image d'une ville, c'est la circulation. Ça, je pense que comme vous l'avez souligné, et nous constatons effectivement qu'un grand manquement, surtout la plupart de nos véhicules ne sont pas en règle, et ils ne sont pas bien garés. Et tout ça, c'est ce service-là. Et c'est pour cette raison que nous avons vraiment renforcé ce service. On avait décentralisé les fournisseurs, c'est-à-dire que chaque arrondissement doit s'occuper. Il y avait un service chargé pour les stations. Oui, nous avons ce qu'on appelle les brigades de circulation routière. Et maintenant, nous avons décentralisé que chaque arrondissement doit s'occuper de sa circulation. Et surtout, le point important, nous avons scindé les polices qui seront chargées de régulariser la circulation et les polices qui ont le droit de demander les pièces de véhicules. Avant, c'est le même service qui fait le deux. Et nous pensons qu'il s'intéresse beaucoup à l'arrêt du véhicule, demander des pièces que la réglementation de circulation. Et il faut noter aussi que nous, lors de notre dernière réunion de sécurité, que nous le faisons chaque jour dans la semaine, les feuilles tricolores qui sont sur les ronds-points, c'est eux qui doivent contribuer normalement à la régularisation. Nous avons constaté sur les 23 que nous avons, il y a deux seulement qui marchent. Nous avons attiré l'attention de la mairie et je pense que les choses sont en train d'entrer en ordre. Et nous pensons surtout d'ici 2020 que nous allons mettre un accent et surtout sur les fiches techniques des véhicules. Madame, je veux vous dire que la fiche technique, c'est quoi? Ça dit c'est une fiche qui donne l'état du véhicule. Et malheureusement, aujourd'hui, tu peux avoir la fiche technique sans qu'on voit le véhicule. C'est très dangereux parce que c'est le fiche technique qui doit voir le véhicule, est-ce qu'il a un bon frein, est-ce que le véhicule ne contribue pas à l'environnement, c'est-à-dire le fumier, le freinage et tout ça. Donc nous avons maintenant mis au niveau de l'accent à la police que nous avons déjà à peu près 7 garages bien équipés, modernisés pour que tous les véhicules d'ici 2020 vont passer par ce service pour qu'ils doivent avoir ce qu'on appelle les fiches techniques normales. Et puis la teneur de ce communiqué officiel, il est porté à la connaissance de mesdames et messieurs les députés que les séances plénières du mardi 17 et mercredi 18 septembre 2019 sont reportées à des dates ultérieures. Fin Jamena, le 16 septembre 2019 est signé du secrétaire général Dr Beyom Malo Adrien. Sachez également que le coordonnateur des forces mixtes soudanaises des quatre pays en partage de frontières avec le Soudan, à la tête d'une délégation, est arrivé à Abéché. Farik Ahmad Akam a eu une rencontre avec le gouverneur de la province du Wadaï. Au menu des échanges, la sécurité au niveau des frontières. Dido Mahamad Barka. Il a été accueilli à l'aéroport d'Abéché à sa descente d'avion par le commandant de la force mixte Tchad-Soudan, le général de division Ousmane Bahar Mohamed Itno, des deux consuls du Tchad à El Jenena et du Soudan à Abéché. Aussitôt arrivé, la délégation conduite par le coordinateur de force mixte soudanaise a eu une rencontre avec les autorités à divers niveaux de la localité. C'était à la résidence du gouverneur, rencontre présidée par le gouverneur de la dite province, Ramadan Erdebou, en présence de ses proches collaborateurs. Occasion pour le commandant de la force mixte Tchad-Soudan, le général de division Ousmane Bahar Mohamed Itno, de se réjouir de cette visite de prise de contact. Ousmane Bahar Mohamed Itno d'ajouter que cette descente sur le terrain du coordinateur de force mixte soudanaise permet de rehausser le moral des éléments afin de mener à bien leur mission qui consiste à sécuriser la population tout le long des frontières. Intervenant à son tour, le chef de la délégation soudanaise, le général de division Tariq Ahmed Akam,
s'est réjoui de la mise en place de cette force qui, selon lui, sert de référence dans la sous-région. De leur côté, le consul du Soudan à Abéché, Mahmoud Mohamed Hissen, et celui du Tchad à El Général Azahari Ibrahim Moussa se sont relayés pour expliquer la réalisation de la force mixte Tchad-Soudan depuis sa création en 2010 jusqu'à l'heure actuelle. Pour eux, cette force a pu mettre de l'ordre tout le long des deux frontières. Les deux conciles ont réaffirmé leur engagement à soutenir la force mixte pour le bien-être de deux peuples frères liés par l'histoire et la géographie. Officiant la cérémonie, le gouverneur de la province de Wadai, Ramadan Erdebou, a salué la vision commune des plus hautes autorités des deux pays, à savoir le Tchad et le Soudan. Le gouverneur d'ajouter que cette force a joué un rôle non négligeable en matière de sécurité des personnes et de leurs biens. Il a rassuré la délégation soudanaise de la disponibilité de l'administration à soutenir les actions de la dite force pour le maintien de la paix et de la stabilité entre les deux pays. Juste après cette rencontre, la délégation soudanaise a eu une rencontre avec les officiers de la force mixte Tchad-Soudan. Le renforcement de la coopération entre les différentes forces et la sécurité des personnes et de leurs biens était au centre de discussion. La délégation a suivi un exposé sur la réalisation de la dite force. Restons dans le Wadai où la force mixte Tchad-Soudan a rencontré les autorités locales du département de Ouara dans la province du Wadai. Objectif est de sensibiliser la population sur les mesures d'état d'urgence et la restitution des armes à feu par leurs détenteurs. Un reportage signé Habib Mahmat. L'objet de cette mission consiste à sensibiliser la population sur le respect des mesures de l'état d'urgence et la restitution des armes à feu aux services concernés. Ces 45 armes et munitions sont restituées par 17 villages sur le 165 que compte le canton Guéry. Si aujourd'hui vous voyez toutes ces armes devant vous, c'est parce que nous n'avons jamais cessé de sensibiliser notre population sur l'importance de la paix et du vivre ensemble, a précisé le chef de canton Guéry, Mohamed Adoum Doutoum. Le sultan abbasside du Darwadaï, Sherif Abdelhadi Mahadi, a invité la population de Guéry à aider les services du désarmement à mieux accomplir sa mission. Dans son intervention, le préfet du département de Ouara, Abakar Maina Mohamed, a souligné que la paix est la base du tout progrès. Il a aussi ajouté que tout le monde est appelé à préserver cette paix chèrement acquise. Le coordinateur de l'opération du désarmement, le général Ousmane Bahar Mohamed Idno, a remercié la population de Guéry pour sa collaboration d'abord avant d'inviter les autres à leur emboîter le pas. La délégation conduite par le sultan se rendit au canton Bourtaï où elle a sensibilisé la population sur l'importance de la restitution des armes aux autorités compétentes. L'émergence d'une culture de paix en milieu femmes et jeunes pour une citoyenneté responsable, c'est le thème d'une réunion de plaidoyer organisée par la coalition Voix de paix ce matin. Plusieurs panélistes et les jeunes issus des différentes associations y ont pris part. Kusanda Djaoyang Nadesh, pardon. Plus d'une trentaine de jeunes et femmes issus des différentes associations ont été édifiés sur les thèmes l'émergence d'une culture de paix en milieu femmes et jeunes pour une citoyenneté responsable. Ce soutien sur le vivre ensemble des Tchadiens d'autrefois, Brahidil Deba, géographe de formation, explique que la paix doit se traduire dans le comportement quotidien. S'exprimant sur la question des conflits qui mettent en mal le pays, panéliste suggère aux participants l'acceptation de soi, l'amour du prochain et surtout de faire une bonne analyse de certains discours excitant à la haine. Pour y parvenir, il faut une organisation digne des jeunes et femmes. Nous avons des atouts, surtout si nous prenons les femmes et les jeunes du Tchad, nous avons beaucoup des atouts. Les atouts sont que les femmes représentent plus de la moitié de la population tchadienne. Ça, c'est déjà un atout. Si le peuple, les femmes veulent un changement, ça va changer. Et nous avons aussi que si le gouvernement élabore une politique de développement, il y a une grande place qui est accordée à la femme. L'apport des femmes dans le règlement de ces conflits n'est pas du reste. Étant les gardiens de la paix, elles doivent s'investir davantage pour prévenir les conflits et y remédier. À titre d'exemple, la réunion des femmes tenue au Congo dans le but de régler le conflit qui sévit en Afrique du Sud.
L'atelier de d'évaluation des processus de mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau s'est ouvert ce matin ici même à N'Djamena, une initiative de la commission du bassin du lac Tchad à CBLT et qui a regroupé les experts des États membres de cette institution. Falon Bissoulgan. Renforcer les capacités des experts, directeurs et points focaux de la commission du bassin du lac Tchad sur la gestion intégrée des ressources en eau d'une part et évaluer le processus de sa mise en œuvre d'autre part, tel est le but recherché à travers cet atelier. Le directeur technique de la commission du bassin du lac Tchad appelle les participants à faire des analyses pertinentes et les rassure par ailleurs du soutien de son organisation. Vous êtes appelés à vous pencher avec toute l'expertise requise, non seulement sur la mise en œuvre de l'AGIR, mais aussi sur des questions connexes à travers des analyses pertinentes des différents exposés qui vous seront faits pour qu'au sortir de ces assises, les résultats attendus soient atteints et que des recommandations fortes soient formulées. Je voudrais vous rassurer que le secrétariat exécutif de la CBT est plus que jamais déterminé à mettre en œuvre la gestion intégrée de ressources en eau du bassin, ainsi que toutes les recommandations et décisions qui seront issues de cette rencontre hautement significative. À l'issue de cette formation, les participants seront capables de maîtriser les éléments et défis pour la mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau. Maîtriseront les outils et méthodes pour l'analyse, la structuration, l'organisation et le renforcement des capacités des parties prenantes, ainsi que les principes des parties prenantes. Et une feuille de route de valorisation des acquis de l'atelier sera élaborée. Les participants à cet atelier de formation sont venus des pays membres de la commission du bassin du lac Tchad. Et puis dans un communiqué de presse, le président du Parti pour la paix et le progrès, Gassi Youssouf Miarib, dément formellement les propos du secrétaire général du parti Al-Nassour en date du 11 septembre 2019, annonçant son exclusion du parti Al-Nassour. Par la même occasion, il informe l'opinion nationale qu'il a décidé de rompre l'accord de fusion entre son parti, le PPP, et Al-Nassour. Par ailleurs, le Parti pour la paix et le progrès soutient la politique du président de la République Idriss Déby Itno et demande au peuple tchadien de cultiver la paix et le vivre ensemble. À la signature du communiqué, le président du Parti pour la paix et le progrès, Gassi Youssouf Miarib. La rentrée administrative 2019-2020 est effective depuis hier. Une rentrée qui s'inscrit dans une nouvelle dynamique de la réforme du système éducatif. La Chagbe Babamé Désiré. Rentrée scolaire 2019-2020, le leitmotiv du ministère de l'Éducation nationale est désormais connu. Placé sous le signe du renforcement des apprentissages de la promotion civique, le thème de cette rentrée scolaire est une invite à la mobilisation de tous les acteurs du système éducatif autour de l'école. Promotrice des valeurs citoyennes, de la cohésion sociale et du développement des apprentissages, notamment des sciences, pour un Tchad émergent à l'horizon 2030. La particularité de l'année qui commence est son caractère innovant. Il s'agit de l'application du bilinguisme intégral dès la classe du CEP1, conformément au texte en vigueur. Tous les élèves des classes de l'enseignement secondaire sont aussi concernés par l'apprentissage du français et de l'arabe littéraire. L'autre point important qu'il faille bien relever est le recrutement de 3000 professeurs contractuels des sciences pour une période de 2 ans afin de booster l'enseignement des sciences. Dans cette dynamique également sont inscrits la formation de 4500 maîtres communautaires en cours dans les écoles normales d'instituteurs, ainsi que le recrutement de 4500 autres enseignants. Au niveau du privé, le département en charge de l'éducation nationale est déterminé à mener des contrôles réguliers dans les différentes structures de formation dans toutes les provinces du pays. L'objectif visé est d'œuvrer pour un enseignement de qualité. Pour gagner ce pari, celui de relever justement le défi de l'éducation de qualité, le chef du département de l'éducation nationale appelle à une synergie d'action. À ce titre, les associations de parents d'élèves sont interpellées pour une gestion saine et efficiente des ressources financières.
Le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique organise un atelier de capitalisation sur l'ingénierie des curricula. L'objectif est d'évaluer les connaissances acquises des inspecteurs et conseillers pédagogiques de l'enseignement primaire. On en sait plus avec Ahmad Garasta. Les acteurs du système éducatif tchadien sont à l'école du savoir. Les inspecteurs et conseillers pédagogiques venus du Centre national des curricula, du Centre pédagogique régional ICESCO, renforcent leur capacité sur la capitalisation des acquis des ingénieurs en curricula. Une initiative du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique qui vise à évaluer les connaissances acquises des inspecteurs et conseillers pédagogiques sur les curricula disciplinaires. Le directeur du Centre pédagogique régional ICESCO, Mohamed Gamar, souligne que son institution a réalisé plusieurs actions, dont celles relatives au renforcement du manuel scolaire en didactique et la stratégie de mise en œuvre du bilinguisme au Tchad. L'Agence tunisienne de coopération technique, par la voix de son président directeur général, El Borni Salhi, réitère l'engagement de son pays à soutenir le gouvernement tchadien dans le secteur éducatif. Le directeur général adjoint du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique invite les acteurs au dynamisme. Vous avez déjà eu les formations antérieures. Aujourd'hui, vous vous retrouvez avec des experts rompus en la matière pour évaluer ce que vous avez déjà appris et amener des corrections sur certaines insuffisances. Soyez attentifs et actifs pour mieux consolider vos connaissances, car vous êtes les experts tchadiens de demain dans ces domaines. Et les ministères comptent beaucoup sur vous. Les inspecteurs et conseillers auront 5 jours pour capitaliser leurs expériences en curricula scolaire. Ils seront appuyés par les experts venus de la Tunisie et la Banque islamique de développement. Parlant toujours de l'éducation nationale, il s'est ouvert ce matin à Douga un atelier de réflexion pour l'élaboration d'une stratégie de mise en œuvre de structures préscolaires au Tchad, une initiative du ministère de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale en collaboration avec l'UNICEF. Apolline Gani nous en parle. L'éducation de la petite enfance constitue une phase essentielle de l'apprentissage tout au long de la vie. L'éducation préscolaire vise à donner aux jeunes enfants des compétences dans les domaines affectifs, social, cognitif, langagier, physique et moteur. Cependant, selon l'annuaire statistique 2015-2016, seulement 2,8% des enfants âgés de 3 à 5 ans ont bénéficié d'une éducation préscolaire au Tchad. C'est dans ce cadre que se tiennent ces assises de réflexion qui permettront de déterminer les grandes orientations et défis à relever pour atteindre les objectifs fixés par le gouvernement. Le chef de section éducation de l'UNICEF a relevé que l'éducation préscolaire est un facteur à ne pas négliger pour la réduction des inégalités de genre et la scolarisation des filles. L'éducation est un domaine d'intervention cher à l'UNICEF qui maintient ses engagements pour soutenir les actions du gouvernement. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan intérimaire de l'éducation au Tchad, l'UNICEF a fait le choix d'appuyer le ministère de la Femme, ministère en charge du préscolaire, en synergie avec le ministère de l'Éducation nationale dans l'élaboration de la stratégie de développement du secteur. La directrice générale du ministère de la Femme a relevé que l'éducation préscolaire demeure et constitue le premier jalon de l'éducation de base en raison de son importance et la tranche d'âge de 3 à 5 ans qu'elle occupe. Cette réflexion s'inscrit dans la perspective du plan intérimaire de l'éducation au Tchad, dont l'un des objectifs est d'améliorer l'accès, la qualité et la gouvernance dans le secteur préscolaire. Le gouvernement n'a ménagé aucun effort dans le domaine de l'éducation de base, notamment le préscolaire, afin de lui donner ses lettres de noblesse. En ce qui concerne la qualité de l'accueil et de la prise en charge, l'éducation préscolaire devra être accompagnée tant au niveau de la formation des éducateurs, de l'harmonisation des programmes, du suivi pédagogique et de même que des infrastructures. 70 jeunes de la 4e promotion du cours d'anglais gratuit intensif, dénommé Anglais pour tous, reçoivent leurs attestations de fin de formation. Cette formation est l'œuvre du centre Tekwin en partenariat avec l'ONG Al-Nahda. Mohamed Omar Moussal. La langue anglaise occupe une place de choix dans la société mondiale. C'est pourquoi le centre de formation Tekwin Anglais pour tous forme gratuitement 72 jeunes de la capitale en langue anglaise.
Après un mois de formation en technique d'écriture, d'expression en anglais, ils reçoivent leur parchemin. Cette connaissance en langue anglaise leur permettra d'écrire, lire et de parler sans aucune difficulté majeure. Très ravis de cette qualité de formation, quelques récipiendaires n'ont pas caché leur satisfaction. Les formateurs invitent les bénéficiaires à mettre en exergue les connaissances acquises pour l'intérêt général. Le représentant de l'ONG Al-Nada, Abou Khala Mohamed Tohaki, et celui du centre de formation Takhwin, Béchir Hamid, remercient les formateurs pour leur disponibilité de donner une formation de qualité aux récipiendaires. Pour eux, l'anglais est l'une des trois premières langues parlées au monde. Elle nécessite donc un apprentissage, car pour eux, l'anglais occupe une place importante dans le marché mondial. Et puis le gouverneur de la province de Wadi Fira a lancé à Biltine une opération de reboisement appelée Dilbert. C'est la cour du centre social de Biltine qui a servi de cadre pour cette cérémonie. Mohamed Saleh Anour. C'est la cour des centres sociaux de Biltine qui a servi de cadre pour cette opération de reboisement intitulée Biltine Ville Verte. C'est une initiative de la délégation provinciale du développement rural de Wadi Fira et rendue possible par le projet Préservation de la biodiversité dans la réserve des fonds de Wadi Rim et Wadi Hashim sous le financement de l'Union européenne. Pour la représentante de ce projet, Annabelle Honorez, cette action s'inscrit dans le cadre des activités du projet qui consiste à appuyer les actions du gouvernement du Tchad pour lutter contre l'avancée du désert et préserver la biodiversité. Le délégué provincial du développement rural, Mohamed Daoussa, précise que la plantation de pépinières conserve et entretient la fertilité des sols et améliore la productivité des terres pour un meilleur rendement agricole. Pour le choix de ces sites, il est question de créer un espace vert au profit des enfants de jardin, des centres sociaux de Biltine, devrait-il ajouter. Le gouverneur de la province de Wadi Fira, Issa Ahmad Ardia, apprécie à sa juste valeur cette opération de reboisement tout en remerciant le partenaire pour leur appui multiforme. Il invite la population à perpétuer de telles œuvres pour que la ville devienne verte, partant la province de Wadi Fira tout entière. Ainsi, des espèces variées de plants sont mises en terre. Entamé le 3 septembre dernier, le gouverneur de la province du Burku, Ali Maïdé Kébir, vient de mettre un terme à sa visite dans les services déconcentrés de l'État de sa circonscription administrative. Un reportage signé Boussou Kigé-Fernand. À la Société tchadienne des eaux, tout comme à la Société nationale d'électricité, les deux responsables de ces entreprises respectives se sont relayés pour faire comprendre à leurs visiteurs que leur souci majeur est lié au manque de carburant et à la mauvaise volonté de la clientèle pour régulariser les factures dans le délai requis. À la maison d'arrêt, le gouverneur Alemaïde Kébir a constaté de visu les vétustés des cellules, les conditions d'accueil non requises et le nombre exorbitant de mineurs. Il a instruit les gestionnaires de cette structure pénitentiaire au respect des droits de l'homme, mais il souhaite surtout revoir la situation des mineurs. L'avant-dernière étape de la visite du gouverneur est la station provinciale de l'Office national des médias audiovisuels. Ici, le chef de la ville station, Abdallah Djemil, a conduit son hôte dans son bureau, passant par la salle des émetteurs et à l'studio. À la salle des émetteurs, tout comme à l'studio, le gouverneur Ali Maïdé Kébir a sollicité le changement de ces machines quand elles sont vieilles. Le réfectionnement ou la reconstruction du bâtiment et la question d'autonomie en énergie n'a pas été occulté par Ali Maïdé Kébir. Abdallah Djemil de répondre au premier responsable de la province du Burku qu'ils sont confrontés à de nombreuses difficultés, surtout dans le cadre du travail et le sous-effectif du personnel. La circonscription douanière des provinces Burku-Tibesi est la dernière étape de la visite des institutions étatique par le gouverneur Ali Maïdé Kébir. Dans ses services déconcentrés, le chef de la circonscription douanière Issaka Galmaï Adoum dit que son émission n'est pas restée à la marge des difficultés qui sont le mauvais état du bâtiment abritant des bureaux, manque de moyens de travail et le personnel qualifié en la matière pour le bon fonctionnement de cette institution fêtière de la province du Burku. Répondant à toutes ces préoccupations, le gouverneur de la province du Burku, Ali Maïdé Kébir, de souligner qu'il s'impliquera personnellement afin que les conditions de travail soient améliorées, même
Les membres du comité provincial d'action sont en formation depuis quelques jours déjà à Faya. Cette formation est axée sur l'amélioration de la qualité de l'eau potable, à une formation financée par la Banque africaine de développement BAD en partenariat avec la cellule permanente. Retrouvons une fois de plus Boussou Kigé-Fernand. Cet atelier est organisé à l'intention des membres du comité provincial d'action en abrégé CPA, des conseillers municipaux et leaders traditionnels et religieux de la province du Burkina. Il vise à contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des populations à travers l'accès à l'eau potable et à l'assainissement amélioré, favorisant ainsi le développement du pays avec des hommes et femmes sains dans un environnement sain. Dans son allocution de bienvenue, le secrétaire général de la province du Burkou, Abakar Sendidigui, dénigue que cet atelier cadre parfaitement avec la vision du gouvernement tchadien qui fait de l'accès à l'eau potable et l'assainissement dans le monde semi-urbain et rural sa priorité, avant d'exhorter les participants à plus d'assiduité. J'exhorte les participants à plus d'assiduité et participation active aux échanges, enfin que les enseignements et les leçons apprises qui sortiront d'ici soient mis en valeur et puissent impacter le succès du comité provincial d'action dans le Burkou. Le coordonnateur national de la cellule permanente, Abakar Suleiman, souligne que son institution vise à travers cet atelier à s'enquérir du démarrage effectif et la mise en œuvre des activités du programme sur le terrain. Notre rôle, c'est de faire l'évaluation des projets. Nous devons être au début, c'est-à-dire à l'instruction du projet jusqu'à la fin du projet. Nous devons déposer un rapport aux hautes autorités de l'État pour les aider à prendre des décisions. Aujourd'hui, ce projet que nous allons installer très bientôt, s'il ne marche pas, c'est à vous les CRA, c'est à vous les chefs de canton, c'est à vous les représentants de la communauté, parce que ce projet est vous, pour vous et fait pour vous. Le comité provincial d'action en abrégé CPA du Burkou a bénéficié de matériels informatiques. Cet atelier est rendu possible par la Banque africaine de développement en partenariat avec la cellule permanente. À Nanou, dans la province de Wadi Fira, le sous-préfet Siboro Haroun a lancé les travaux d'entretien de la route qui relie Nanou à Tiné et Biltine à Amdjaras. Ce geste est l'œuvre d'un fils natif de la localité. Mahamat Ouma Morsal. En cette saison de pluie, la route qui lie la sous-préfecture de Nanou à Tiné, Kalaïd, Biltine et à Amdjaras est impraticable. Pour rendre fluide cette route, les ressortissants et les autorités locales de Nanou ont décidé d'entretenir cette voie. Ces gestes et à mettre à l'actif du fils natif de cette localité, Idriss Adam Bakhit. Pour les bienfaiteurs, seule la route qui désenclave une ville pour une autre. C'est pourquoi il est motivé d'apporter sa contribution pour le bien-être de la population de Nanou et ses environs afin qu'elle vague librement à leurs activités. Quelques ressortissants de Nanou ont remercié le bienfaiteur pour ses gestes. Le sous-préfet de Nanou, dans la province de Wadi Fira, Siboro Haroun, a salué cet acte de bienfaisance et demande par ailleurs au gouvernement, aux organisations non gouvernementales et aux personnes de bonne volonté de voler au secours de sa localité. Il a également demandé aux autres fils natifs d'emboîter le pas pour le développement de Nanou. Le positionnement des femmes sur les listes électorales a fait l'objet d'une journée de réflexion qui vient d'être organisée à Moundou par le cabinet Tchad Consulting. Les détails avec Amat Al-Hissène Amat. Le Tchad s'est engagé pour prendre en compte la participation des femmes dans la gestion des affaires publiques avec l'adoption de la loi portant quota genre en 2018. Un quota de moins 30% est désormais affecté aux femmes dans toutes les fonctions nominatives et électives. Malgré l'importance numérique des femmes, le constat est qu'elles contribuent peu à l'animation de la vie politique alors qu'elles constituent un potentiel électoral important. Dans l'optique d'impliquer plus les femmes à la chose politique et de rechercher un meilleur positionnement sur les listes électorales, le cabinet Tchad Consulting, avec l'appui financier de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Tchad, a organisé cette journée de réflexion avec les partis politiques implantés dans la province du Logone occidental. Les participants ont suivi plusieurs enseignements axés sur le processus électoral au Tchad, les différents modes de scrutin et le positionnement stratégique de la femme sur la liste électorale.
Ces enseignements ont permis aux participants de renforcer leurs capacités sur le cadre juridique de la participation des femmes aux postes électifs et des stratégies sur leur positionnement sur les listes électorales. Après les débats, les politiciens de la province du Logone occidental recommandent entre autres au gouvernement d'appliquer à la lettre et de faire respecter l'ordonnance numéro 12/PR/2018 affectant un quota de 30% aux femmes dans les fonctions nominatives et électives, aux leaders politiques de bien positionner les femmes aux consultations à venir, aux femmes de briser les pesanteurs sociaux qui entravent leur épanouissement et au cabinet Tchad Consulting de poursuivre et d'intensifier des formations avec les femmes dans toutes les provinces du Tchad. La directrice du cabinet Tchad Consulting, Gemdje Liliane, a remercié l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Tchad pour son appui financier qui a permis l'organisation de cette journée. Officiant cette importante rencontre, le préfet du département de Lakoué, Youssouf Omar Bahar, représentant le gouverneur de la province du Logone occidental, a salué l'initiative qui, selon lui, vient renforcer la vision du président de la République, chef de l'État, Idriss Déby Itno, en faveur de la femme tchadienne. Les chrétiens catholiques se rendent en Terre Sainte sur les traces du Christ. Elles viennent de quitter ce matin la capitale pour Tel Aviv en Israël. Ils passeront en tout 10 jours sur cette terre pour renforcer leur foi. Kandoba Théophile. Ils sont 24 chrétiens de la confession catholique, parmi lesquels 18 femmes et 6 hommes qui se rendent en pèlerinage en Terre Sainte, notamment en Israël et aux Palestine, sur les pas du Christ. Fervents croyants, ils se confient à Dieu avant leur départ. Que Dieu, notre salut et notre consolation, soit toujours avec vous. Les lieux que nous désirons visiter sont témoins de la piété du peuple de Dieu qui s'y presse pour en revenir avec plus de courage, pour vivre d'une vie chrétienne et pour accomplir de grands cœurs des actes de charité. Après la prière à l'église de Chagua, cap est mis sur l'aéroport international Hassan Djamous pour les formalités de départ. Pour nous, c'est aller sur les traces de Jésus dans le lieu saint pour nous mettre en chemin, nous purifier au niveau de notre foi, grandir dans notre foi et pouvoir vivre ce que le Seigneur lui-même a vécu. Ces pèlerins tchadiens qui passeront 10 jours en Terre Sainte vont échanger durant leur séjour avec d'autres chrétiens du monde pour renforcer leur expérience et leur foi. Le Khalwa Ibn Abbas pour les études des sciences islamiques a honoré les jeunes élèves qui ont suivi les cours d'été hier matin. Une cérémonie qui s'est déroulée au ministère des Affaires étrangères et qui a vu la présence de plusieurs parents. Idrissa Omar Idrissa. Pour aider la communauté musulmane à avoir une génération instruite en sciences islamiques, le Khalwa Ibn Abbas a jugé nécessaire de commencer avec les plus petits en leur inculquant des notions préliminaires en islam. C'est pourquoi, durant toutes les vacances, les enfants âgés de 7 à 12 ans viennent apprendre les sciences islamiques pour mieux connaître leur religion. Au cours de ces assises, les éléments et les parents de ces enfants ont tous apprécié l'initiative de cette école qui a toujours formé des grands prédicatrices et prédicateurs au profit de la communauté musulmane. Pour les fondateurs de ces khalwas, Cheikh Salih Ramadan, l'apprentissage des sciences islamiques est d'une importance capitale, car le prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui, a recommandé aux fidèles musulmans d'apprendre à leur progéniture l'islam. Venus de tous les arrondissements de la capitale N'Djamena, ces jeunes élèves sont tous issus de la 4e promotion de Khalwa Ibn Abbas pour les études des sciences islamiques. Parlons sport à présent. Le stade Idriss Mahamat Ouya a vibré hier au rythme des 16e de finale de la Ligue des champions de la CAF. Tout puissant et l'export a reçu l'espérance sportive de Tunis. Un match à d'un bon niveau technique et qui s'est achevé sur un score de parité d'un but partout. Kandoba Théophile.
Tout-Puissant Elec Sport n'a pas fait mieux sur ses installations que de partager les points avec l'Espérance sportive de Tunis. Donné favori sur le papier, les tenants du titre de la Ligue des champions de la CAF entament la partie sans complexe face aux électriciens. Soutenus par le public, les jaunes et noirs parviennent à poser leur jeu et mettre en difficulté les Tunisiens. C'est sur le score d'égalité 0 but partout que les 22 acteurs vont à la pause. Au retour des vestiaires, les Tchadiens affichent leurs intentions. Ils optent pour un jeu ouvert porté vers l'attaque. Baki Djibrine et Dimina Léger sont présents sur toutes les balles et obligent les Tunisiens à être agressifs. L'entrée de Hassan Brahim pour renforcer la ligne d'attaque bascule le jeu en faveur du club tchadien. Mais contre le cours du jeu, ce sont les visiteurs qui ouvrent la marque à la 73e minute par l'entremise de Fadi Benchok. Blessés dans leur orgueil, les footballeurs tchadiens jettent toute leur énergie dans la partie. Ils mettent la défense tunisienne sur des charbons ardents. Baki Djibrine égalise à la 71e minute. À 6 minutes de la fin du temps réglementaire, les Tchadiens obtiennent un pénalty suite à une faute commise sur le prodige tchadien Baki Djibrine. Dimina Léger se charge de l'exécution du coup de pied de réparation et voit sa balle repoussée par le portier espérantiste Mouez Ben Charfia. Finalement, les deux équipes se séparent sur le score d'un but partout. Pour l'entraîneur tunisien, le score reflète la physionomie du match. Un grand adversaire, surtout la ligne d'attaque, ils ont des bons joueurs, des bons dribbleurs aussi. Techniquement, ils sont à l'aise, ils peuvent faire la différence. Tu sais très bien que le terrain aussi, c'était un handicap pour nous. C'est difficile de jouer sur le terrain. Vraiment, même pour l'équipe tchadienne aussi, c'est difficile. L'entraîneur tchadien affirme que tout se jouera lors du match retour. Je vais le contrôler. Il reste à porter sur 10 jours pour préparer le match de retour. Je les ai vu comment ils ont joué et avoir gardé beaucoup de surprises. Avec ce score et surtout le but marqué en déplacement, Espérance sportive de Tunis prend une bonne option pour la qualification. Sur ce, on se referme à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Télé Tchad.